Bon, à la base, je voulais vous faire un petit montage vidéo avec une jolie petite voix off, etc. Mais le week-end, comment dire, ça tient en deux mots. Toute bonne histoire commence avec un début. Oh, eh oh, 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 eh oh. Et juste comme ça, on a pris la route direction Le Mans. Mais on n'est pas parti tout seul, non. On est parti avec une véritable équipe de choc. Mesdames et messieurs, vous avez toujours recherché la miniature la plus qualitative dans le monde de l'automobile avec des milliers de choix disponibles. Je vous présente le groupe XPM. Vous avez toujours cherché à vous réunir avec les passionnés d'automobile, alors je vous présente aujourd'hui l'application maîtresse Racing Lovers. Ici, vous allez pouvoir retrouver tous les rassemblements et tout ce qui touche à l'automobile autour de chez vous. Racing Lovers, pour les passionnés et par des passionnés. Et bien entendu, on ne le présente même plus sur cette chaîne, tellement il est connu et on l'a vu souvent. PZ Car et surtout son PZ Garage qui nous aura accueillis dans son box tout le week-end. Cette vidéo n'est absolument pas sponsorisée, je n'ai pas été payé par qui que ce soit dans cette vidéo, c'est juste des copains, on les met en avant. Voilà, tout ce beau monde, il a bien fallu le loger. Et disons que pour trouver le logement, ça nous a pris environ 5 minutes. Vous ne me voyez pas là, l'ombre c'est moi. Bonjour. On est avec notre ami Jérémy, notre caméraman habituel. C'est-à-dire que je suis parti avec des gens qui ont un peu craqué. Vous vous souvenez de la personne qui m'a prêté la R8 avec qui j'ai fait l'entretien de la Z? Ne lui dites jamais, mais au grand jamais, une idée à la con, parce qu'il pourrait le faire. Et là aujourd'hui, pour ce fameux événement qu'est le Big Car Show, on s'est juste loué la maison des pilotes, hein, c'est son nom, c'est pas moi qui l'ai inventé, en pleine ligne droite des Hinaudières. Elle est incroyable. Là où il y a les suites Ken Block et Carroll Shelby, là on a un salon, c'est-à-dire que là on signe des contrats avec des gros chèques. Jérémy? Jérémy, viens, on allume un feu, viens voir, on allume un feu. Ouais. Viens, on allume un feu. Ouais, c'est trop bien les feux, moi j'aime bien. Viens, on allume le feu, là. Là, on allume le feu. Ce week-end, c'est juste le début. Il va être complètement barré. Et je te rassure, Mario, tu viens juste d'arriver. Et t'es vraiment pas au bout de tes surprises. Mais pour une question de watch time, je vous garde ça pour un peu plus tard. Et c'est maintenant le moment de prendre la direction du Big Car Show. Après, on n'était pas venu là pour jouer les touristes et manger des rillettes. Non. J'étais venu là pour me baptiser sur le circuit, et PZ était là pour faire des baptêmes et traumatiser quelques personnes à bord de son Alpha. Après, désolé Flo, mais on peut pas toujours gagner, et tu sais très bien de quoi je parle. Passe le piquet, mon gars. C'est ça quand on parie un bisou sur la calandre de l'autre avec Adix. Attends, j'arrive. Non, va plus bien. Mais j'ai pas fini. Oh, merde. J'ai pas fini. J'ai mis 20 secondes. Il a pas fini le tour. Ça a été... Allez bien. Eh, hey, Paris, c'est à Paris. Tu auras droit à un tour après d'un coup. Il a parié avec Adix, les gars. C'est bien que je suis dans Tourloupe quand même. Je suis une arnaque. L'arnaque, c'est pas fait le troisième. Allez bien, juste le petit... Le bisou. Le bisou. Le bisou. Le bisou. On a parié, il faut que tu fasses un bisou à ma face avant. À la face avant, juste la face avant. Fais-lui un bisou là. Là, juste là, là, là. Là. Ah. Mais Adix, comme à son habitude, cela joue grand prince. Mais Alpha, c'est bien. Hein. Il y a une belle histoire, il y a c'est des motoristes. Hein. En DTM, attention, hein. Il faut savoir que ça, c'était quelque chose. Hein. Et moi, je suis pour ces voitures-là encore. Franchement, là, l'ambiance, elle était terrible. Ouais, elle était géniale. On s'est régalé. Je sais aussi pourquoi beaucoup d'entre vous êtes là. Vous en faites pas, ça arrive très vite. Mais d'abord, un petit peu plus de l'ambiance générale du show.
moment que vous attendiez tous. Dans ma tête, ça s'est à peu près passé comme ça. Hé, essaye de m'avoir Étienne pour un petit baptême. Ah les gars, désolé, mais en fait des baptêmes, je suis overbooké pour la journée. Après, je cherche un volant. Ok. À ce moment-là, non, mais là... Vous comprenez que nous, on était encore au stand et on ne comprenait pas pourquoi il ne revenait toujours pas. C'est un vocal qui nous donnera la réponse. Alors, le drapeau rouge chez nous, mais vous inquiétez pas, il n'y a pas de soucis. Enfin, on s'est pas mis dans le bac, c'est juste que j'ai cassé le... J'ai cassé une des rotules de la boîte. Donc voilà, donc on est à l'arrêt et on revient bientôt, mais je suis dépité là. Le malaise. On attend le verdict. Ça sent pas très bon. Ça sent pas bon. Pour Flo, ça semble être une fin de week-end, le monde s'écroule. Mais cette histoire est complètement digne d'un véritable shonen, grâce à l'aide de Gigi Stunt, Howeld et bien entendu Étienne qui s'est démené pour nous trouver tout ce dont on avait besoin, on finira par réussir à réparer sous les mains avisées de Jérémy. Bon, pour une revanche, on a pris plus soft, en passager, cette fois-ci. Ouais, bah oui, hein, je vais faire... Non, il va être gentil, je le connais. Non, il y a deux possibilités. Il y a mais peut-être une vengeance à prendre. Le problème, c'est que j'ai encore la boîte qui est pas loin. Non, elle est à droite, la boîte, elle est là. Ah, d'accord. Bon, allez, adieu. Allez, bon allez. Courage et pas de panne, les gars. Souvenez-vous juste de mon pas de panne, les gars. Il est mort de rire. Panne de chance. Panne de chance au même endroit que hier. Ah, mais au même endroit en plus. Et c'est la partie. Alors la panne de sang, c'est quand même pas possible. Mais... Non mais... Au bon... même endroit. Étienne, incroyable. Le moment, vraiment le même endroit avec Étienne, on a fait 3 tours. Donc on a fait un de plus qu'hier finalement. Ah, c'est toujours un de plus. Et au même endroit qu'hier, la voiture elle s'est coupée. Et on s'est mis dans le même échappatoire qu'hier, panne de carburant. Ça m'était jamais arrivé sous piste. Vous l'aurez compris, ce week-end était rempli de rencontres incroyables, de moments uniques et de souvenirs plein la tête. Et pour nous, ça a été aussi l'occasion d'imaginer quelque chose de nouveau pour la chaîne. Je vous en dis pas plus, quelque chose de plus gros risque d'arriver. Comme disent les Américains, restez tunés.